Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir vos messages sur Mitomo. Vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages, m'envoyer des réponses à travers l'application. Certaines sont assez drôles, donc je vais ouvrir vos messages aujourd'hui. Donc l'application est disponible depuis un mois, je crois, un mois et demi. Il y a quelques bugs, j'arrive pas à l'ouvrir sur mon téléphone. Donc là, actuellement, je suis sur ma tablette. Donc c'est parti, on va lire vos messages. Là j'ai un invité chez moi, là il y a un mec qui squatte, un petit abonné. Ce qu'on peut faire avec lui, c'est qu'on peut le renvoyer chez moi, chez lui. On va le renvoyer chez lui, tiens. Allez, salut. Oh, la vieille voix qu'il a. Voilà, on est au calme. Allons lire vos messages. Donc, quelle est ta série étrangère favorite? Donc, j'ai répondu Game of Thrones, Breaking Bad, Misfit, Daredevil, House of Cards, Monsieur Robot. Ah, Monsieur Robot. La prononciation de Breaking Bad. Breaking Bad et Daredevil. Daredevil. Monsieur Robot, c'est le bien. Monsieur Robot. Putain, mes abonnés, ils ont une voix trop chelou, quoi. Quel est ton style de pain préféré? Bah, le pain au chocolat. Et il me semble que j'ai lancé, malgré moi, un débat sans fin. On va voir ça. Dire chocolatine devrait être interdit par la loi française. Dire pain au chocolatine, voilà. Voilà, il aille. Rien de tel qu'un bon pain au chocolat pour le goût. Dire pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat, bordel, MDR. MDR. Qui a dit qu'on appellerait ça chocolatine? C'est pas au chocolat un coin. Je vous l'avais dit, c'est parti en débat. Brice, c'est un vrai. Elle peut rire, elle, avec sa voix. Non, attends, non. Brice, c'est un vrai. Team pain au chocolat. Attends. Brice, c'est un vrai. Brice, c'est un vrai. D'accord, alors. Team brioche au chocolat MDR. Ah, les vrais reconnaîtront la team brioche. Chocolatine. Pas au chocolat, sinon j'aime bien les madeleines. Qui aime les madeleines? Bon, lui, je crois qu'il raconte un peu sa life. Chacun dit comme il. Les madeleines et moi, le débat. Arrêtez un peu. Pas au chocolat cordial. Marie-Lou, elle s'énerve toute seule. C'est bon, les madeleines et moi, le débat. Arrêtez un peu. Pas au chocolat cordial. Cordialement. Team pain au chocolat. Ah, par contre, il lit pas les XD. Team pain au chocolat. Sniff. Sniff, ok. Du coup, j'en profite. Est-ce que vous êtes team chocolatine ou team pain au chocolat? Mettez en commentaire vos réponses. Ensuite, on m'a demandé que conseilles-tu de faire pour se remonter le moral. Donc, j'ai dit écouter de la musique ou baiser. C'est vrai que baiser, c'est assez sympathique pour se remonter le moral, pardon. J'aime bien la deuxième solution. Il démarre. Écouter de la musique en baisant aussi. Oh! Lubrique! Lubrique, la petite fille. MDR. Fumétiser et baiser. Oh. Fumétiser et baiser. Mais ils ont. Mais ce qui est marrant, c'est que mes abonnés, ils sont mineurs. Les mecs, ils fument déjà. As-tu déjà commis une erreur dont le seul souvenir te fait rougir de honte? Si oui, laquelle? Aller dans les vestiaires des filles sans faire exprès, c'était marrant. Oui, j'avoue que c'était marrant. Qu'est-ce qu'elles ont répondu? C'était marrant parce qu'il n'y avait que des tons. Sans faire exprès, on n'y croit pas trop. Ça arrive à tout le monde, j'ai bien un ami qui l'a fait de sa spécialité, être distrait. Petit coquin. Petit coquin direct. Ah, la voix. Alors, je sais pas si c'est une meuf ou un mec, mais j'espère pour toi que c'était à la piscine. Cette personne n'a pas mué du tout. J'espère pour toi que c'était à la piscine. Non, c'était à la salle de sport. Pas fait exprès. Non mais ça va un peu rire. On dirait un chat. Ok. De qui es-tu amoureux? De ma console PS4, c'est connu. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je dirais de mon PC, moi alors. Ma PS4, mon PC, Mélodie, oui. Mon lit, ma co. Ah non, ouais, pas la co. Ma co quoi? J'ai pas compris, y'a pas de moi copine aussi. Non mais. Surtout
aussi à Street Fighter V. Il joue à Street Fighter 5, mais elle a 5 ans. Mon conjoint aussi et il me délaisse. Mon conjoint aussi et il me délaisse. Mon conjoint aussi et il me délaisse. Quelle chanson t'a marqué récemment? Unravel Tokyo Ghoul. Ouais, je l'écoute quand je fais du sport. Sans déconner en plus. Faut regarder Parasite, il est trop bien. Faut regarder Parasite, il est bien okay. De quoi 333. Oh shit. PS, tu peux faire un à mon âme la vie sur One, franchement, s'il te plaît. Ah, alors j'avais pas lu ce message, mais finalement. Oh shit, oh shit. Finalement, j'en ai fait un hein, sur ma chaîne, principale. Oh shit, oh shit, oh sono, ce qu'est. La version française de Unravel par Vulcain est top aussi, je trouve. Oshi, Oshi ete, Osono, Sekai, oula, c'est quoi ça? Tokyo Ghoul. Ah, elle est vraie. Y. J'aime bien la version dubsté avec Miku aussi. Tokyo Ghoul, les vrais savent. On est d'accord, Mister Freeze. Ouais. Oui, il s'appelle L'Amphi. Ah, mais je le connais, L'Amphi. Non, mais c'est. Alors, je sais pas qui c'est, mais je le kiffe ou je la kiffe. Alors, déjà, on a l'impression qu'elle mesure 1m5. Mais sa voix. En fait, tu peux paramétrer la vitesse de ta voix, du coup. Enfin, tu peux modifier la vitesse de ta voix et. Je crois la gravité. Enfin, la tonalité, de ta voix. Donc, la rendre plus grave ou plus aiguë. Elle a mis tout en aiguë, quoi. Quel souvenir doux amer serais-tu prêt à me raconter? Les abonnés qui se sont mobilisés après mon cambriolage. Oui, ça, c'est vrai. C'était doux et amer. Oh, c'est même des abonnés en or. Oh oui. Où je me suis abonné pour te soutenir dans la joie et la tristesse, la santé et la maladie. Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça sent le mariage. Des abonnés à la rescousse. je sais pas qui c'est, je le kiffe. En plus, elle a une. Je crois que c'est une fille, elle a une tête de chat en plus. Parce qu'elle porte une jupe. Te souviens-tu d'épisodes intéressants survenus dans ta famille? Si oui, lesquels? L'adoption d'un chat abandonné qu'on a appelé Miaus. C'est vrai en plus. Quand mon ami l'a dit, on aurait dit que tu l'avais abandonné, mais pas du Jigmiaus. En direct, on parle de Jigmiaus. Non, on parle pas comme de. C'est pas Jigmé. C'est pas Jigmé que j'ai recueilli. Oui, ce sera la guerre. Ah, les vrais connaissent. C'est vrai ça? Où est passé Gignac? Miaus, oui, la guerre. Miaus. Eh ouais. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Team Pokémon, ils sont tous là. Le Team Rocket. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu veux d'autres vidéos sur Mitomo, bah, il faut que tu mettes un petit commentaire pour me dire bah, Brice, bah, fais-moi d'autres ouvertures de messages sur Mitomo. Si tu veux m'ajouter sur Mitomo, ça va être un peu compliqué, mais je vais te donner une astuce. Tu peux me suivre sur mon compte Twitter Brice Gaming Zone. Tu m'envoies ensuite un petit message pour me dire Brice, je veux t'ajouter sur Mitomo. Moi, de mon côté, je t'ajoute en tant qu'ami sur Twitter, enfin je te follow. À partir de ce moment-là, tu pourras m'ajouter sur Mitomo si tu as synchronisé ton compte Twitter avec ton compte Nintendo Mitomo. Voilà, n'hésite pas à m'ajouter sur Mitomo et de poster des commentaires sous mes réponses. Comme ça, je les lirai dans mes prochaines vidéos.